Hello les amis, on se retrouve au temple oublié, comme la dernière fois. On va quitter l'endroit et on va se diriger sur la map du côté du sanctuaire Molonk, comme ça, ou sur la tour peut-être de la plaine de... Peut-être que c'est mieux. Non, celle-là, elle n'est pas activée encore, donc plutôt ici, hop. Ok, et on va essayer de débloquer la petite tour déjà, et... On va se diriger ou vers Cocorico ou Elimite. Ma mémoire me joue des tours. Bref. En tout cas, avant de commencer, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les prochains épisodes, à lâcher des petits likes et mettre un commentaire. C'est super important pour le référencement. Et puis voilà, quoi, ça prend pas beaucoup de temps et ça vous coûte pas grand chose quoi, c'est surtout pour nous aider à nous les créateurs de contenu. Merci à vous en tout cas. Allez, on est parti. Hop, on va se diriger directement sur la tour. Tant qu'à faire. On va aller activer ça direct. C'est quoi ça? Oh! On va essayer de farmer des petits rubis là si on peut. Ça serait cool. Mais je pense qu'il va nous voir et qu'il va s'enfuir. Allez, let's go! C'est un peu foiré mon truc, mais bon, c'est pas grave. Allez. Salut. Tiens, bonjour, je m'attendais pas à te voir. On a un petit souci. Lequel? On m'a dit qu'il y avait un souci avec la terminale de la tour de reconnaissance. En toute logique, je suis venu le réparer. Mais va savoir pourquoi la porte refuse de s'ouvrir, donc forcément, je ne risque pas d'y entrer. Elle n'est pas verrouillée, mais il n'empêche qu'elle ne bouge pas d'un poil, qu'on la pousse ou qu'on la tire. Ah, je te vois venir. Eh oui, je sais bien que c'est une porte coulissante. C'était juste une façon de parler. À force de me triturer l'esprit, j'ai faim. J'irai bien me chercher des champignons dans une grotte qui est pas loin. Oui, tu as bien entendu. Il y a une grotte au pied de cette colline. Ok. J'y allais souvent pour chercher des champignons quand la tour était encore en construction. Ok, donc en gros, il vient de me dire qu'il fallait passer par en dessous. Parce qu'ici, c'est pas la peine de monter. Je pense que la trappe doit être fermée. Donc logiquement, il devrait y avoir une grotte par là. Hop, je crois que j'ai vu l'entrée. Fruit d'eau. Ah, tiens, je connais pas ça. Allez. Viens par ici, mon cher ami. Tu vas servir. Ok. Cool. Au moins, avec toi, c'est rapide. Donc. Oula. Il y a du monde là. Ah ouais, il y a du monde. C'est tout. C'était rapide. Allez, il n'y a pas des petits trucs encore ramassés à part tout ça là. Il y en a quand même pas mal qui sont morts là. Bon, ok. Allez. Tac. Petite flèche. Alors.
Il y a des petits trucs là-haut, on va aller voir ce que c'est. Petit silex. Qu'est-ce que c'est que ça? Flèche en bois. Ok. On prend tout. Tout ce qui peut servir. Ok, ici encore une trappe. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh merde, ici c'est la sortie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous? Alors. Hop, ok. Alors, on va aller par là. Est-ce que je passe là? Ouais. Je passe, mais où est-ce qu'il est mon acolyte? T'es où? Arrête de disparaître comme ça, s'il te plaît. Merci. Ok. Allez, reste là, j'ai encore besoin de toi. Pourquoi tu te casses à chaque fois? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? On est parti. Ça faisait quoi comme truc? Ouais, bof, pas terrible ça. Une autre sortie. D'accord. A voir où est-ce qu'elle mène. On va essayer de passer par ici. Ok, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a par ici? Compartiment des armes est plein. Ici c'est en bas, ok, je crois. Si je raconte pas de bêtises. Ici. Ok, bah il n'y a rien d'autre alors. En gros, c'était pour tourner. Tu tournes en rond. Hop. Ok. Et c'est tout, a priori. D'accord. Bon, on va sortir par ici pour voir où est-ce que ça mène. Est-ce qu'on est en dessous? Ouais, on est en dessous. Sauf qu'on est un petit peu plus bas, j'ai l'impression. Ok, autant pour moi. De toute façon, c'était pas ça que je voulais. Le but, c'est de monter là-haut. Mais c'est où? Est-ce que c'est ici? On va voir tout de suite où est-ce qu'on sort. Non. Donc. Ça serait plus par là. A priori. Genre. Peut-être ici. Yes! Allez! On y est. Alors. Allez. On vire cette merde. Hop. Et là-bas, il y en a une autre qui bloque la porte. Hop, voilà. Et là, logiquement. Bah alors. Faut que j'ouvre d'abord la porte. Ok. Autant pour moi. Mais la porte s'est ouverte. Dites donc, c'est toi qui l'as réparée pour moi? J'en reviens pas à dire que la porte était coincée par des bâtons. Je viens à me demander si c'est un pur hasard ou un tour que les monstres m'ont joué. Enfin bref, tu me tires d'un bel embarras. Merci. Bon alors, entrons. Laisse-moi huiler tout ça. Ok. Et voilà, il suffisait d'un peu d'huile pour tout remettre sur pied. Eh bien, il faut que je passe à la tour suivante, moi. Alors, je dois déjà y aller, quoi. Bref. Ok. Donc, nous, on active ça. Let's go.
Allez, on va scanner toute la région. Ah bah tiens, là, il y a un autre petit truc. On ira voir l'alarme un peu plus tard. Ce sera des petites quêtes à venir. Ok. Donc, je suis là. Ouest de Necluda. Ok. 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 Alors, je vais essayer de me diriger direct dans la bonne région. Dans la bonne région, du bon côté. Donc, moi, là, je suis là. Et c'est quoi par ici? Ah oui, non, ici, je suis dans le ciel. Ok, lac, alpage. Village des Lémites, c'est là-bas. Fontaine de la Grande Fée. Je me rappelle plus, c'est où le village Cocorico? Bordel. Pourquoi j'ai mis une balise ici, je sais plus. Ok, ça c'est une des enquêtes. Je vais essayer de me diriger par ici. En espérant que ce soit par ici. Hop. Ok. Donc, par là. Petit tour là-bas au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Regarde des fois. Oh, il y avait une arène là-bas, je crois que j'ai... Si, j'ai déjà été là-bas, je sais plus trop. Faudra sûrement que j'y retourne. Non. Je suis pas sûr finalement. Faudrait que j'y aille. Ouh la mince. Oh, j'ai un peu merdé là sur le coup. Ouf. Ah ouais, là j'avais totalement merdé. Ok, on arrive. Heureusement que tu as le droit à un petit sursaut encore quand c'est comme ça. Oh, tu veux bien rejoindre ton ami. Bon, j'arrivais au relais, mais on va aller aider. Où est-ce qu'il est ton ami? Où est-ce qu'il est? Ok, bon, ça va, il est pas si loin que ça. Ça va. Ça va. Ça pourrait être pire. C'est quoi ça? Ah, c'est juste une pierre. Hop. Petite sauterelle, ok. Oui, oui, je sais, je vais. Allez, mince. Voilà. À tous les coups, il doit y avoir des monstres dans la région. Donc ça va être... Ah, c'est chiant de pas pouvoir courir quand il y a... J'oublie à chaque fois que je peux pas courir quand il y a... Quand il est accroché à moi. Alors, allez, où cette fumée? Je la vois plus. Ah, si, elle est là. Ah ouais, je dis que c'était pas loin, mais en fait... plus ça va, plus je le trouve loin, quoi. A voir si je vais pas reprendre un petit cube là pour monter en hauteur. Voir s'il n'y a pas un petit truc intéressant par là-bas. Il n'y a pas de monster là.
A priori non. Bon. On met en pause. Allô. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ouais. Pas de soucis. Hein? Voilà. Na dois dias disseste-me cada para a semana. Há dois dias disseste-me cada para a semana. Ah. Está bem. Está bem. Ok. Tá bem, tá bem. Ok. Porque né, como estava com ideias de cara para a semana, não comprei ainda nada para a cima. Não, mas bom, comprar uma coisinha para ela, olha, acredito, é o aniversário dela. Ok? Ah sim, é verdade, sim, sim, sim. Sim, mas é verdade, é verdade. É verdade. Sim, eu tinha me esquecido. Ok, ok, ça marche. Bom. Ok, bom, on verra ça alors, après je vous donnerai l'ordre. Ok? Ok, ça. Non, ça marche. Ça marche. Ok, on fait, fait comme ça. Bon, ça roule. Allez, ciao, ciao. Deux. Oui, oui, je passe, je pense que je passerai, mais je passerai boire le café avec tes parents, quoi. Direct. Ok. Ok. Ça marche. Bon. Vas-y. Ciao, demain. Ciao, bisous. Okay. Bon. Je veux rejoindre mon ami, qui dit lui. Il y a beaucoup de pierres ici, donc il va falloir que je regarde où est-ce qu'elles mènent exactement. Il y a peut-être un petit truc intéressant à faire là. Allez. Oui, j'ai ramené ton ami, vas-y. La mat et deux noix de Korogu, voilà, merci. C'est quoi ça là-bas? Ah c'est quoi? Bah attendez. C'est quand tu vois un crâne comme ça, bah c'est rare que... On va se préparer. On se prépare. Grotte de la muraille des limites. Foncer dans le tas comme ça, pour rien. Oh là là. Bon, ils sont où là? Hop, hop. On va changer d'arc vite fait.
Aïe. Je l'ai pas vu arriver. Là. Il n'y en a pas d'autres là-haut là. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il reste que cette plante. Cette satanée plante. Allez, viens ici. Voilà. Voilà. Merde, je vais encore cracher ici. Hop. Hop. Allez. Oh merde, pour un coup. Ok. Bon. Il est où? Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bouclier faune. 3 de durabilité. Ok. On va le laisser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Petite viande, petite fleur, graines de fleurs de machin, quoi. Ok. Bon. Et pour le coup... Oh, petit passage ici. Viens par ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah bah... Comme dans toutes les grottes. Hop. Cristal d'Elusis. Ok, bon bah on va ressortir d'ici. On va rien sortir, on est encore dans la grotte. Hop, on ressort. Voyons voir où est-ce que j'apparais. Ok. Donc. On descend. Je crois que j'aurais peut-être dû regarder s'il n'y avait pas un truc là. C'est quoi ça là-bas? C'est une tour, un sanctuaire? C'est une tour. Yes. Ouais, bon, un peu loin pour le moment. On ira plus tard. Ok, alors. Ces pierres qui tombent du ciel, là, vont où? Bon, il n'y a que dalle, j'ai l'impression. Hello. Salut. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Depuis le cataclysme, il y a eu davantage de monstres. Mais en plus, on croise aussi de drôles de tomates. Ils n'ont pas l'air monstrueux comme ça, mais ils attaquent quand même les gens comme s'ils protégeaient quelque chose. D'ailleurs, il y en a qui traînent au sud de la route, alors que je ne vais, pas m'éterniser par ici. Au sud de la route. Ouais. Alors, ok. Il y a quelque chose par là-bas, mais ils sont où les rochers là qui tombaient tout à l'heure? Toulou, toulou. Vu qu'on est en pleine nuit, je sens qu'on va se retrouver avec des petits squelettes dans pas longtemps. Hop.
Non, là c'est pas un squelette. Allez, on va activer la petite quête de ce relais. Je pense qu'on n'est pas loin du village Cocorico, ou... j'imagine, mais je me trompe peut-être. Ici, il y a pas mal de petites îles. S'il y a un truc... Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un truc intéressant. Un petit rocher de pierre pour remonter. Hop, un puits. Voilà. Petit puits. Comme ça, quand on retombera sur je sais plus comment... S'il avait un nom. Ah bah, un puits dans un... Ok. Bon, d'abord, avant de descendre là-dedans, je voudrais voir où est-ce que ça mène ici. Ouais, ça mène nulle part. Il n'y a que dalle. Hop là. Un puits dans un puits, bizarre ça. Ok. Ok. Bon. Ça en prend. Ok. Tout ça en prend aussi. Petit champi. Ok. Encore un puits. Bon. Jusque là, rien d'exceptionnel, mais mon maillet va bientôt se briser. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme... Comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Bah ouais. Je suis bête, j'aurais dû le faire dès le début. Un seul coup, c'est bon quoi. Ok, petite grenouille tempo. Oh, il y a un paquet de fées là. Ok, ça n'a rien enregistré dans l'album. Ok. Là c'est good, ok. Et on va faire une petite photo aussi de la... Mince, de la fée. Encore raté. Ok. Ok. C'est bon là. Mais sérieux? Non. Mais what the fuck? Je suis trop loin ou quoi? Oh merde, elle a disparu, fait chier. On est bon là? Yes. Ok, cool. Bon, on a pris des petites fées, ça c'est cool. Par contre... Grenouille vigueur, ok, c'est pas la même que l'autre, donc.
Ouais, conserver l'image actuelle là. Pour une fois que je pense à faire quelques petites photos. Ok. Ok, grenouille vigueur, ça je l'avais pas. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre par ici. Donc on remonte. Je m'attendais à voir un des monstres là, de ceux qui permettent d'avoir un truc là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Une sorte d'étoile, machin. Mais non, bref. Hop. Allez, on remonte. Ok. Salut toi. Et toi le voyageur, tu as roulé ta bosse, pas vrai? Tu as vu du pays? Alors dis-moi, as-tu entendu pas des rumeurs au sujet d'un condiment légendaire? Bon, la partie quelque part dans une forêt, ça va, j'arrive à suivre. Capable de terrasser n'importe quel monstre, là c'est déjà un peu moins clair. J'en déduis que tu n'en sais pas tellement plus. Donc on n'est pas plus avancé. Rien au sujet du héros auquel elle est censée appartenir, ni si elle est effectivement capable de terrasser n'importe quel monstre. Retour à la case départ, on sait juste qu'elle serait cachée dans une forêt. Personne ne sait rien, quel point la rumeur serait-elle fausse? Ok. Ok, ok. La pluie étouffe un peu le bruit ambiant. La nuit, c'est encore plus flagrant. Mes excuses, petit gars. J'ai pas souvenir de t'avoir déjà vu. Dis-moi, ça te dirait d'aller rosser quelques pirates? Rosser des pirates? Je plaisante, je plaisante. J'allais pas confier une mission aussi périlleuse à un jeune gringalet dans ton genre. On a vraiment un problème de pirates. Ceci dit, c'était pas des bobards. Ces canailles ont envahi mon village natal, le village des Carailles, sur la côte du sud. C'est des monstres en réalité, mais vu qu'ils ont débarqué par la mer, tout le monde les traite de pirates. Un village qui, si paisible et si prospère, c'est un véritable don des mers. Ok. Bon, c'est pas une mission, a priori. Viens te mettre à l'abri. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh bien, qu'avons-nous là? Un voyageur sous la pluie. Bienvenue au relais des Géminés, très intelligemment baptisé ainsi, car elle se situe au pied des monts Géminés. Ok. Moi, c'est Nagash. Enchanté. Si tu as besoin d'indications, n'hésite pas à me demander. Ça ne t'aurait peut-être pas échappé, mais beaucoup de choses ont changé dans le coin dernièrement. Campement, village, ça a bien bougé. Surtout au village Cocorico et du côté du village des Limites. Ok. Le village Cocorico se trouve au nord d'ici. Ok. Et il a été fondé par les Sheikas, donc, ok, au nord d'ici. Donc, d'ordinaire, le village est plutôt paisible, mais depuis la chute d'étranges ruines Sonao, en forme de cercle, ça grouille de touristes et d'équipes archéologues. Faut vivre avec son temps, comme on dit. En tout cas, c'est ce qui se dit du côté de Cocorico et des Limites. Ok. Je te conseille d'aller voir les statues de pierre des monts Géminés. Hein? Ce ne sera pas chose simple que de t'y rendre, le sentier n'a pas été entretenu. Mais je t'assure que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour la vue imprenable depuis le sommet. Bon, je te dis ça, mais grimper sous cette pluie relèverait de l'inconscience. Ça doit bien glisser là-haut. Mais n'hésite pas à profiter du relais en attendant que l'orage passe. Sont où ces statues? Attendez. Hop. Donc le relais, il est là. Puis du relais, il a parlé des monts Géminés. Donc ça serait ici. Ça serait par ici les statues. Ok. Mince. Et effacé. Il a dit que le village Cocorico était au nord. Donc si je suis ici, donc je dirais que le village il est par là quoi. Enfin, sur cette par ici. Donc je vais déjà aller du côté du mont Géminés. Ça m'intrigue ces statues-là. Ah ok, d'accord. Déjà là-haut, il y a... Ah bah, mais ce qui est chiant ici, c'est que je vais pas pouvoir m'accrocher, quoi. C'est quoi, ça?
Oh, Korogu ça. Ah merde. Je tombe dans l'eau là. Et ici je tombe dans l'eau aussi. Non. Allez. Shit. Mauvaise mine. Quelque chose me dit qu'il faut que... Alors, comment je vais faire ça? Non. Il y a un Korogu dedans. Mais là, pour le coup... Je ne vois pas comment faire. Bon, ok, voilà pour le coup, je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas d'idée, on verra ça. Ça c'est pour monter, ok. Voilà mon moyen de transport, parce que là grimper la montagne ça va être compliqué. Hop, donc, on va par là, déjà il y a un truc. Ok. Il y a quelque chose là-haut. Est-ce que ça va monter jusqu'en haut? Archipel céleste de Nécluda Ouest. Ah ouais, mais il y a bien quelque chose, mais très bon. Est-ce que je me dirige bien? Tampon bleu. Ok. Ok. On va plutôt aller par là. J'essaierai de revenir pour le petit sanctuaire après. Il m'a parlé de statues dans le mont, machin. Oh merde, je me dirige droit sur des monstres. Bon, ok, ici je vois rien pour le moment. Pourtant je suis sur mon point de... Moi que ce soit là-haut quoi. Bon, en tout cas ici il pleut plus déjà, ça c'est cool. Voyons voir. Non, je vais voir ça tomber de l'autre côté, mais non. Bon, bref, on s'en fout. Alors, scrutons l'horizon. Il n'y a pas de statue par ici. À moins que ce soit encore là-haut. Par contre, si c'est là-haut, c'est un peu haut quand même. Un peu haut pour moi. C'est vrai que j'ai un petit bouclier avec encore une fusée. Pourquoi pas l'utiliser? C'est pas dit que ça marche, mais... Hop, oh bah, ici, salut. Merde. Bon, c'est mort. Il y a un chronomètre quand c'est comme ça.
planter encore. Bon, ok. Je pensais que j'allais tous les avoir, mais non. Ok. Ouais, à la revoyure, comme tu dis. C'est quoi ça? Bon, il y a juste des petites... Ok. Donc. Alors, petit bouclier. C'est parti. Oui, il y a bien des statues là-haut. Cool, on va aller voir ce que c'est. Ok. Ah ok, bon c'est ça comme ça. Ok, c'était juste ça. Bon, ok. Je pensais que c'était... je m'attendais à autre chose quand même. Où est-ce que ça remonte ça? Ouais. Alors. Alors, avant de remonter quoi que ce soit, j'analyse. Ici, c'est beaucoup trop loin. Je me dis qu'il y a moyen que j'aille peut-être jusqu'ici, quoi. Allez, on tente. J'ai dit on tente. Bizarrement, j'arrivais pas à baisser le truc. Bref. Oh là. Ah ouais, d'accord, il s'est fait retourner. Allez. Et il montait encore. Hein. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'il serait monté bien plus haut. Ok. Alors. Y a-t-il quelque chose à récupérer ici qui soit intéressant? Bon. Rien du tout. On va aller en bas. Hop. Ça me paraît quand même beaucoup plus sympa. Par contre, est-ce que je l'ai déjà fait celui-là ou pas? Aucune idée. Alors, les orbes, où est-ce qu'elles sont? J'ai pas que ça. J'ai pas que celle-là. J'en ai des simples normalement. De mémoire. Ah ou pas, peut-être que l'autre m'a... Ah si. Prendre. Ok. Alors, est-ce que j'ai des trucs que j'avais pas ici? Rampomno. Artefact Sonao qui, une fois activé, reste toujours à la verticale. Il est utilisé pour servir de support stable dans les endroits périlleux, notamment sur les îles célestes. Ok. Ça me... Tête de golem. Cet artefact Sonao garde à l'œil tout ce qui considère comme un ennemi. En y collant un artefact Sonao offensif, on peut créer un dispositif à tête chercheuse. Oh là, ça devient cool tout ça là. Et je... Malheureusement, j'ai que des petits, hein, mais on va en prendre d'autres. Hein. On... Hop. Allez. Ça peut servir tout ça. Hop là, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? 4 et 4. Ok, bon allez. C'est déjà pas mal. C'est cool. Donc, ça c'est ok. Ah bah là-bas, il devrait y avoir... Il devrait y avoir... Il devrait y avoir un petit sanctuaire. Alors là, il va m'indiquer où est-ce qu'il est normalement. Uko Ozixi.
Alors, ok, fait offrande, machin. Où est-ce qu'il est le... Indique-moi. Où se trouve... Non, t'es sérieux? Le cristal? Mais what the fuck? Faudrait que j'aille là-bas. Que je revienne. Putain, comment j'y vais? C'est quoi ces fruits? Fruits de foudre. Ok, cool. J'en avais pas encore, donc c'est cool. Donc ça serait sur la truc là. Merde. Je suis un peu trop loin peut-être. Merde, je l'ai raté. Complètement. Même si je prends un planeur, ça va faire super loin, non? J'y crois pas trop, en fait. Ça me... Je crois que c'est, c'est dommage, parce que ça aurait été cool d'avoir le sanctuaire, là, tout de suite. Mais là, avec un... Non, ça fait trop loin. En plus, je vais être trop bas. Même avec des moteurs, enfin il me faudrait une batterie de fou que j'ai déjà d'ailleurs, mais après faut revenir aussi hein. Oh, vas-y, j'ai envie de tenter quand même. J'ai quand même envie de tenter. Ok, on va faire. Alors, petit planeur, où es-tu? Hop, sortir. Toi, on va sortir. Non, pas toi. Non, non. Retirer. Hop. On va sortir. Toi. Trois fois. Ok. Et on va... Les figés, j'en ai que deux, donc ça me fait chier. Ok. Et on va sortir. Bah, j'ai que celui-là. Hein. On va la prendre, quand même. En espérant que ça suffise. Pour aller de l'autre côté. Ok. Ensuite. Duplicata, s'il vous plaît. Ok. C'est bien ça. Okay. Et là, fabriquer. Ok. D'accord. Il va me falloir quand même un petit guidon là-dessus, non? Peut-être. Ou pas. Non. Bon, je vais le positionner. Je pose où? Ici? Non, pas là. Putain, t'es con ou quoi? Pourquoi tu te positionnes là? Hop, hop. Ok. Allez, on se met dans le bon sens déjà. Voilà, ici. Et je vais me prendre un petit guidon quand même. Ce sera peut-être plus simple pour le diriger. Sortir. Hop. Ok. Maintenant, on fait tac. Tac, tac, tac. On va le poser déjà ici. Il faut qu'on aille là-bas. C'est pas gagné, moi je vous dis. Hop, reviens. Ok. Ensuite. Rewind. En tout cas, je suis arrivé de l'autre côté, c'est cool. Ça, c'est top. Donc finalement, j'ai peut-être bien fait quand même de tenter. Hop,
Bon, il y a des outils, il y en avait pas mal ici. Hein. Pourquoi tu vas de l'autre côté? Viens ici, là. Quel relou. Bon, je vais prendre un tout. Mais non, il est en train de me... Ah, utiliser toutes mes batteries, là. Putain. Ouais, il faut que je prenne un objet tranchant. Hop. Comme toi par exemple, ça devrait le faire. Voilà. Allez, viens avec moi. Dans mon super plane. C'est dommage d'avoir gaspillé cette batterie là. Ah, ça se trouve, j'aurais pris une petite, ça aurait suffi. Ou deux petites. Ok, ici. Donc, hop. Hop, allez, et là tu reviens. Allez, on va encore faire un rewind. Ah, mais qu'est-ce que je fous? Hop. Tac, tac. Allez. Oula. Faudrait pas partir trop bas quand même. Bon, l'idée c'est de se poser ici quand même. Oula. Ouais, ça ira très bien. Hop. Hop. Et allez, roulez jeunesse. Okay. Allez. Voilà, comme ça, moi, ça nous permettra de revenir ici facilement pour récupérer des petits artefacts. Bon, j'imagine qu'ici, il n'y a rien du tout à faire. Hein. C'est juste le genre de donjon où on arrive, on a un coffre et on récupère... la petite flamme, enfin la flamme, le médaillon, là, je sais plus comment ça s'appelle. Comme là, dès qu'il y a un petit truc à faire avant, souvent, il n'y a rien d'autre. Ok. 50, waouh. Ouais, 50. Toi, tu sautes, hein. Désolé, petit bouclier flamboyant. Ah ouais, moi j'en ai deux comme ça. Plutôt cool. Allez. Alors, on va redescendre et on va essayer de trouver le village d'Hyrule de Cocorico. Si on y arrive. On a déjà fait pas mal de petits trucs là sur cet épisode quand même. En peu de temps, je trouve que ouais, c'est plutôt cool. On a trouvé plein de trucs. Des fois, on galère à chercher des trucs, etc. Mais là, pour le coup, j'ai juste pas activé la petite quête du relais. Ça, c'est un truc qu'il faudra que j'y pense. Allez. Et donc, nous, on est là. Et en bas, on est là. Donc, moi, je veux retourner vers le relais, en fait. Ok, par là-bas. Ok, donc par là. Attendez. Attendez. Non. Mon avion a disparu. Ok. Pas cool. Pas cool vu tout ce que j'ai utilisé. Bon. On va essayer de se rapprocher d'Hyrule. Hop. Enfin, d'Hyrule. De Cocorico. Allez. Je vais mal gamer avec.
Je sais pas si ça sert à quelque chose d'amalgamer une fusée à... Ouais, je suis pas sûr. Hop. Alors. On va par là. Village de dans le nord, qui disait. Ah, il y a le petit sanctuaire juste là. On va le faire aussi. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On est à côté. Hop. Allez. Leçon de combat bouclier. Ok. Laisse-moi prendre un bouclier de merde. Bon. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Renvoie l'attaque de l'ennemi en donnant un coup de bouclier au moment précis de l'impact. Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Prépare-toi. Putain, je me rappelle plus comment on fait ça. Ah. Ah ouais, mais en plus, là... Ah oui, bouclier et repousser. Ok, autant pour moi. On va peut-être changer de bouclier parce que ça ne servait à rien que je le fasse avec celui-là. Oh merde, ouais. Vas-y, on va vers moi. Ok. C'est tout? Je peux rentrer chez moi? Ah. Détermine l'élément de l'attaque puis renvoie lui en donnant un coup de bouclier. Ouais, ok, là c'est électricité donc c'est pas bon pour moi ça. Merde. Raté. Ok. Il m'en avait un petit. Il me faudrait un truc en bois peut-être, non? Oups, ça va pas assez loin. Je vais le sortir provisoirement. Hop, bouclier en bois. C'est juste histoire de pouvoir envoyer son truc là. Oh bah merde, ça marche pas. Donc c'était pas bon bouclier ça. Et là aussi pareil en métal, je vais me prendre un coup de jus, hein. Bon bah a priori non. Je comprends pas. Je pensais qu'en métal, bref. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Ok. Let's go. D'abord on va voir s'il n'y a pas un petit truc à ramasser ici qui soit intéressant. Ça c'est quoi ça? Arc de golem, baguette de rubis. Ouais, moi j'ai envie de les prendre des baguettes. Hein. Bordel. Ça, je jette pratiquement la même chose, mais je me dis que c'est... Hop. 6, pareil, ça vaut que dalle. Espadon, et ça, c'est épée. Ouais, je vais jeter l'espadon. Hop. Hop, petite épée. Ah, j'aurais pu... Non, je vais pas jeter l'espadon, finalement. Hop, hop, je vais jeter cette merde. Allez, viens ici. Et toi? Ah. Il n'y a pas un arc qui est abîmé ou qui vaut pas grand chose. Celui-là, par exemple. Merde. Ouais, j'ai l'impression que c'est les mêmes en fait. C'est une blague? Est-ce que... Ah non, c'est bien ça. Pas d'enrouiller. Autant pour moi. Bon. Allez, let's go. Enfin que je vais encore jeter quelque chose là.
Bah ouais, c'était obligé. Alors ouais, je vais jeter celui-là. Hein. Même si. Hop. C'est quand même un bouclier avec 50. D'ailleurs, je vais prendre, je vais m'équiper plutôt de celui-là. Plutôt sympa ces petits boucliers quand même. Il commence à y avoir des petits boucliers puissants. Ok. Allez. Bon. Je sais plus trop où est le village de Cocorico, donc je vais partir dans le nord par rapport à l'indication du mec là, du relais. Et puis on verra. Hein. Si je trouve, je trouve. Sinon, bah, on cherchera la prochaine fois. Mais ça me paraît bizarre hein, qu'il soit dans les montagnes, le village de Cocorico. Là. Je le voyais plus dans les plaines. À moins que pour lui le nord c'est en bas. Merde, c'était quoi cette lumière là que je voyais devant? Ah. Ouais, il y a quelqu'un, mais ça pue le piège à plein nez. Là aussi il y a quelqu'un. L'autre là-bas il court. En fait, ils sont tous en train de courir. Quoi. Bizarre. Hey, bonsoir, ça fait plaisir de te voir si enthousiaste. Mm-hmm. Toi, je parie que tu fais du tourisme. Si ça t'intéresse, je peux te donner quelques infos. Oh. Tu vois l'espèce de ruine qui est couchée sur la montagne de l'autre côté du lac? C'est un des fameux vestiges circulaires qui sont tombés du ciel sur le village Cocorico. Ah. Maintenant, ils font le bonheur des touristes, mais ça a dû causer une sacrée pagaille quand ils se sont écrasés. Et c'est rien de le dire. Il y en a 5 comme ça qui sont tombés. Rends-toi compte. Le truc de l'autre. Truc circulaire. Où est-ce que... C'est toi, Link? On m'avait dit que vous aviez disparu. Son Altesse Zelda et toi, je suis vraiment soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est Son Altesse Zelda? Comment ça? Son Altesse Zelda est toujours portée disparue. Alors, dans ce cas, Link, que dirais-tu de rencontrer Dame Impa? J'étudie avec elle les géoglyphes qui sont apparus à travers le royaume. Dame Impa pense que ces géoglyphes pourraient nous aider à retrouver la princesse Zelda. Elle est partie il y a peu dans un véhicule que l'on nomme Montgolfière. En principe, elle devrait se trouver au nouveau relais de Delas, légèrement au nord-ouest du centre d'Hyrule. Ok, d'ailleurs, il faut que je file la rejoindre. La Montgolfière est vraiment rapide, alors moi je suis vraiment en retard. Ok. Nouvelle quête. Et c'est quoi son histoire de lac avec le truc qui est tombé en plein milieu du lac? Je vois pas de quoi parle l'autre. Tu vois l'espèce de ruine qui est couchée sur la montagne de l'autre côté du lac? L'espèce de ruine qui est couchée sur la montagne. Ça? Hum. Ouais. Eh bien, c'est un des fameux vestiges circulaires qui sont... Ok. Il y en a 5 comme ça qui sont tombés. Rends-toi compte. Ok. Donc moi, il faut que j'aille là-haut. Enfin, il faut que j'aille par là. Putain, ma petite fusée aurait été bien là pour monter. Ou alors, je me fais une petite montgolfière aussi. Pareil. Ça peut se faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Sinon, il faut grimper à pied, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même plus rapide. Hop! Non. Hop, hop, hop. Petite montgolfière. Ok, on sort de la sacoche. Ok, elle veut pas. Hop, hop, ok. Salut.
Ok, allez. On s'agrippe ici. Hop là, voilà. Parfait. Ensuite, la dernière fois j'ai pas réussi, mais là il faut que je le fasse. Je veux faire du feu. Alors, ça m'éviterait de gaspiller des trucs. Sortir. Laisse-moi tranquille, toi. Fendre. Ah ouais. Là, je sens que je vais mettre le feu à... Oh, bordel, mais... Qu'est-ce qui me fait chier, là? Ah, bordel. Là, j'ai rangé le truc. Prendre. Hop. Ici. Ok. Alors. Ok. Raté. J'ai pas les yeux en face des trous. Hop, hop. Voilà. Ça devrait. Ça, j'ai peur de cramer le truc, mais bon. On va voir. Hop. Non, hop. Il est où? Il est là. Hop. Mince. Oh merde. Bon. Ok. Quand tu fais n'importe quoi. Alors. Ok. Donc, silex. Non, c'est mieux. Je pense. Je sens que je vais mettre le feu à la planche de bois qui est en dessous. Ça va être drôle. Hop, prendre. Ok. Je pense que ça va être drôle. Ok. Ah bah ouais. C'était sûr. C'était sûr. Et mon invention qui s'en va, qui se barre. Fait chier. Bon. Planche en bois, c'est pas terrible. Donc il faut une autre solution. Hop, hop, hop. Bon. On recommence. Sortir. Pop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, mais ça c'est trop lourd ça. 3. Ouais, je vais prendre une planche comme ça quand même. Tac. Ça ira. Hop. Ok. Donc, ensuite. Hop. Le dernier fagot de bois. Hop. Il ne s'agit pas de déconner. Voilà. Silex. Hop. Ok. On va foutre. Bah alors, fais chier. Prendre. Allez. On va te mettre ici. Ok. On va faire ça. Hop. Ok. Ouais, maintenant ça passe pas. Ah si, ça passe. Ok. Allez. Ça fait chier. Allez. Chaleur insupportable, il a dit. Donc on va mettre ça en attendant. Hop. Est-ce que ce fagot de bois va suffire? Parce que si ça arrête de cramer, on tombe. J'ai gaspillé
petite future, enfin une éventuelle planche de surf. Quel dommage. Ça marche bien, hein. Au moins ça gaspille pas de d'énergie, c'est cool. Alors nous on doit aller là-bas. Ça fait loin encore, hein. Ça me paraissait plus près. Bon. Je crois qu'on va pas tarder à sauter. Tout 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 tout. Ouais, ça crame, hein. Et ça monte toujours. Je sais pas si ça s'arrêtera un jour, mais pour le moment, tranquille. Moi, tant que ça monte, je... Ah. Ah bah ouais, il fallait que ça s'arrête un moment. Il commence. On va attendre que ça se casse la gueule, on sautera à ce moment-là. Et le village des limites, il doit être là-bas, là. Ouais. Parce qu'il y a même, un... un sanctuaire. On va par là, comme ça on va prendre de la hauteur, ce sera bien encore. On pourra se jeter encore une fois. Oula, ça glisse. Est-ce que c'est mouillé? Doudoudou, doudoudou. Allez, Link. Ok, donc tout ça c'est ce qui est tombé. Là à mon avis là-bas, il doit y avoir quelque chose à voir, à découvrir. Donc nous, on va commencer, enfin j'imagine, hein, je me trompe peut-être. Là c'est le village de Cocorico alors, ok, autant pour moi. Mais j'imagine que là-bas en fait ça fait, je sais pas, c'est l'impression qu'il y a quelque chose. Je me trompe peut-être, hein. On va activer le petit sanctuaire. Ça nous permettra au prochain épisode de découvrir le village de Cocorico. Comme ça, on ira s'aventurer et faire un petit tour à l'intérieur, histoire de déclencher de nouvelles quêtes et voir un petit peu tout ça. Comme ça, là, on n'aura plus qu'à se téléporter, quoi. Donc, ça sera beaucoup plus cool. Hop. Mais bon, après, c'est bien la téléportation, mais on aura tellement de choses sur la map quand c'est comme ça. C'est vrai que c'est long, hein, quand on se balade à pied, quoi. Mais ce qui se relève. Ok. Est-ce que ça... Mais c'est vrai qu'en se téléportant, on peut rater plein de choses, quoi. Alors, je me relève. Hop. Ah, ça c'est le truc qui, quoi qu'il arrive, je crois qu'il se remet toujours sur ses... Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Je peux le poser comme ça, ça se relèvera tout le temps, je crois. Ouais. Alors. Ok, c'est bon à savoir, mais... comment je fais pour passer de l'autre côté? Là, j'ai pas compris le truc, là, pour le moment. Si je fais... Ah pourtant là il se relève pas lui. Pourquoi? Trop de poids. Ouais. Voyons voir. Est-ce que si je le mets à côté, est-ce qu'il va se relever lui? Est-ce qu'ils vont se relever s'ils sont deux? Dalle. Oh, j'ai assez, pas du tout ce qu'il faut faire. Ah,
Ah, en plus, il se relève pas là, c'est trop bizarre. Par contre, si je le pose là-dessus, il se relève, non, c'est ça? Non. Non, il se relève plus. Oula, j'ai du mal à saisir le truc. Et maintenant il se casse la gueule. Hein. Je comprends vraiment pas tout là. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas du tout. J'ai pas compris encore à quoi servent ces trucs. Faudra m'expliquer. Pour le coup, je vais pas perdre de temps, tant pis. On va faire au plus simple. Hop, petite rampe. Babil. Ah ouais, mais je peux ici, on peut pas utiliser ici. Ah bordel. Ah, je vais mourir là, obligé. Ah ouais, j'y arrive pas. Trop loin. Ah bordel. Bon, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se relève. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, attendez. Si je le mets comme ça. Ouais, non, mais ça me donnerait que ce soit ça. Mais. Sincèrement. Ça, c'est juste pour maintenir un petit peu. Je me dis, avec mon poids, qu'il n'allait pas se casser la gueule. Mais. Pas sûr que ce soit ça quand même. Si c'est ça, franchement, je cherche trop compliqué des fois. Oh putain, à tous les coups c'est ça. Enfin bref. Bref, ici c'est la petite boule. La petite boule qui est là-bas. Ok. Comment je fais pour y accéder? Encore la même chose? Ce qui se relève. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça cette fois-ci. Pop. Et je vois rien d'autre par ici. Comme ça, jamais j'arrive à aller de l'autre côté juste avec ce truc là. Genre de catapulte presque. Je sais pas si ça va marcher, mais.
Hmm. Oh, je vais faire un truc, j'en sais rien, ça marche. Je sais pas du tout quoi faire. Alors, je fais n'importe quoi. Ouais. Ouais, bah c'est n'importe quoi. Attendez. Attendez. Je me prends la tête. Il y a plus simple. Mince, il y a plus simple avec ce pouvoir là. Allez, voilà. Vu que j'en sais rien, on va faire au plus simple. Hop. Ah bah ils sont malins, bah ouais ça monte pas plus haut. Putain. Ok. Et donc, là, hop. Ok. Et là, rewind. Ok. Sinon, je vois pas comment monter là-haut. C'est mon seul. Oh bordel! Putain. Bon, allez, on descend. C'est la première des choses à faire. Ensuite. On reste un petit moment et on redescend. Ok. Ok. Bon. Ah ouais, maintenant il faut faire la même chose avec la boule. Oh là là, mais comment je fais? Attendez, je suis con. Mais non. Je suis pas con. Je réfléchis pas assez. Est-ce que. Ok. Est-ce que. Je pense à un truc, hein. Tout à l'heure, je pensais pas. Oh. Hop. Est-ce que... Putain. Hein? Bah, pourquoi... Ah, bordel, je sais. Allez, restez collé. Ok. Bon, ok, j'ai compris le principe. C'est cool, déjà. J'étais un peu en mode bugué, là. Hein. Je savais pas du tout quoi faire. Ok. Non, on colle pas. On pose tout simplement. Hop. Hop, hop. Alors moi j'ai compris même pour l'autre, parce que sinon. Ok. That's it. Allez, à mon tour. Moi, je peux passer par la tourelle, je sais, mais je veux. Ah, mais moi, je voulais aller là-bas au coffre. Bordel. Ah, bah oui, je suis con. Je suis con. Encore une fois. Allez, tu me projettes, s'il te plaît. Oula, encore un truc pour projeter. Hop là, même pas besoin du parachute. Exir féerique, ok, nice. Ça c'est cool, ça comme truc.
Donc on va se laisser comme ça. Dire que je me suis pris la tête avec l'autre là-haut. En fait, c'était plutôt simple quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi est-ce qu'il y a encore un... Bizarre. Je sais pas si ça change quelque chose que ce soit celui-là. Ah, ou peut-être, je sais en fait. Peut-être que c'est trop court sinon. Alors. Ah non, mais maintenant que j'ai compris ce qu'il fallait faire, c'est bon quoi, je pense. Hop, 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 hop. Hop, 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 ok. Allez, on va te poser comme ça. Hop. Ok, ensuite toi, on va te poser. On va te poser ici, je pense, un truc comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Poser bien droit. Voilà. Hop. Un peu galéré là à comprendre. Enfin, c'était surtout l'artefact là que j'ai jamais utilisé. Maintenant que j'ai compris, enfin il fallait juste activer en gros, hein, mais bon. Faut y penser. C'est des. Encore hein, des trucs à prendre en main quoi. Allez. Là, normalement, avec un peu de chance. Ça devrait pouvoir le faire. Wouhou! Eh ouais! Joli. C'était plutôt sympa. Ok. J'ai bien kiffé le petit sanctuaire. Hein. Il était un peu. Enfin, j'avais pas compris comment fonctionnait l'artefact au départ. Mais après avoir compris, ouais, c'est cool. La petite catapulte. Plutôt sympa. Au moins, je sais à quoi servent. Ces artefacts là, parce que tout à l'heure quand je les ai ajoutés, j'en avais aucune idée. Bon, il doit y avoir encore d'autres utilisations, d'autres moyens de faire d'autres choses encore, mais voilà. Allez, petit sanctuaire activé, c'est cool. Les amis, on est donc arrivé à l'entrée du village de Cocorico. Donc, on va se laisser ici pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, activer la petite cloche, à lâcher un commentaire pour le référencement. C'est super important et ça nous aide en tant que créateur de contenu. Donc, merci à tous et on se retrouve plus tard. Allez, ciao, ciao!